Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un véritable plaisir que de pouvoir organiser cette sixième édition des Aliska Talks. Donc, les Aliska Talks, pour rappel, c'est une série de rencontres que l'association des lauréats de l'ISKE a lancée il y a maintenant quelques années et qui se veut un moment où on met les projecteurs sur des iskaïstes qui se sont illustrés, qui ont des passions à partager avec nous, mais également des idées nouvelles, des idées innovantes. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, à notre sixième édition. Et après avoir vu la passion, après avoir vu le monde des startups, après avoir vu comment les retraités iskaïstes sont autant actif, la sixième édition des Aliska Talks de cette fois-ci est se renouveler par l'écriture. Donc, se renouveler par l'écriture, c'est comment l'écriture peut contribuer à la métamorphose d'une personne, comment l'écriture peut parler de sujets qui sont importants pour notre société, comment l'écriture fait en sorte que le monde change et que les idées puissent reconstruire notre monde. Donc j'ai l'immense honneur ce soir de débattre et de donner la parole à Leïla Bersaïn, donc qui est auteure, qui est romancière et aussi iskaïste, promotion 2003. Leïla, tout le monde la connaît, à part les iskaïstes, Ah, ce que j'ai trouvé anormal. ah d'accord. Du coup, on va y remédier alors si personne ne me connaît de l'ISKE, sauf bien sûr les gens de ma promotion, ce qui est normal. Exactement. Donc, Bonsoir à toutes et à tous déjà. merci beaucoup, Leïla. Merci à vous hein, pour cette belle invitation. Je me sens vraiment très heureuse de participer à cette discussion ce soir parce que quand on est iskaïste, eh bien, on l'est pour la vie et c'est un peu une petite famille aussi. Hein, donc, c'était important pour moi. Voilà, merci Leïla. Alors, pour rappel, voilà comment va se dérouler notre séance. Donc, première étape de ces Aliska Talks, c'est ce qu'on appelle l'audit Aliska. Donc, l'audit Aliska, c'est, comme son nom l'indique, c'est un audit qui va se faire. On aime bien les audits au niveau de l'ISKE. On nous forme pour ça. On doit vraiment chercher la petite bête qui va nous permettre de continuer de vivre de notre salaire en tant qu'auditeur. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Ensuite, on parlera un peu de ton parcours, que ce soit à l'ISKE et même après, surtout après. Comment est née cette flamme pour l'écriture? Quels sont les messages que tu véhicules? Tu nous parleras de deux ouvrages, ou même de trois ouvrages, hein, de trois ouvrages, dont je ne vais pas citer le titre maintenant, mais tu nous le présenteras. Des ouvrages qui ont eu beaucoup de succès, des ouvrages qui ont. Le maître mot, en fait, de ces différents ouvrages, c'est la fraîcheur. La fraîcheur et l'envie de vivre. C'est les mots qui ressortent un peu de ces différentes œuvres. Et on verra ensuite par la suite, pour vous donner encore envie de continuer à lire, parce qu'on croit fermement que la lecture nous rend meilleurs, on a concocté pour vous six ouvrages, trois ouvrages proposés par Leïla. Je pense que c'est des ouvrages qui ont dû te marquer, Leïla. Et trois autres ouvrages qui vous permettront aussi de connaître comment l'écriture a pu renouveler la personnalité d'un grand auteur qui n'est pas, enfin, qui est très connu, qui a apporté une véritable valeur ajoutée à la littérature internationale, mais qui est, à notre goût, pas assez connu,
par les Marocains et surtout par les jeunes générations. Voilà, ça sera donc c'est le déroulé de notre entrevue. Et bien sûr, les questions que vous poserez seront également posées à Leïla. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par l'audit Aliska. Donc, trois questions. Première question. Est-ce que, au lieu de devenir écrivain, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu, maintenant, avec quelques années, créer son entreprise, gagner des parts de marché, répondre à des besoins de consommateurs, tout compte fait, est-ce que tu as fait le bon choix? Oui, j'ai fait le bon choix. C'est une certitude. Et d'ailleurs, j'ai déjà tenté l'expérience de l'entrepreneuriat. J'ai aussi, mon dernier poste en entreprise était celui de directrice d'une agence de communication à Besançon. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, que j'ai déjà testé, qui a fonctionné comme il se doit. Néanmoins, l'écriture, elle fait partie de mon identité. Pour moi, ce n'est pas un travail comme un autre. C'est quand on écrit, ça fait appel à une part artistique, ça fait appel aussi à une part intime. Et du coup, l'aspect marchand est très éloigné de mes motivations, de ce qui m'anime quand j'écris. Et à partir de là, ça n'a absolument rien à voir avec les différentes expériences professionnelles que j'ai pu faire, et qui, bien sûr, au-delà de l'aspect purement financier, avait aussi parfois un intérêt humain, un intérêt aussi intellectuel. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup inspirée de mes expériences professionnelles pour écrire les deux romans, que ce soit Le ciel sous nos pas ou et en particulier d'ailleurs La théorie des aubergines. Donc voilà, parce que l'écriture n'est pas quelque chose qui est déconnecté de la vie. La littérature se nourrit de la vie, de tout ce qu'elle peut apporter comme expérience de vie, et y compris les expériences professionnelles. Donc voilà. D'ailleurs, pendant longtemps, pendant de nombreuses années, parce que voilà, moi je suis diplômée de l'ISCAE de la promotion 2003, après j'ai fait un master 2 en ressources humaines, donc à Besançon, et donc j'ai longtemps eu des expériences professionnelles très riches et des responsabilités en tant que cadre. J'ai aussi travaillé à un moment donné comme conseillère en insertion, donc bref, c'était vraiment riche et varié, et ça a beaucoup nourri mon écriture. Mais je n'ai absolument pas de regrets, parce que ma vraie place, elle est dans la littérature. Donc, à partir de là, je n'ai absolument aucun regret, parce que j'estime que c'est... Voilà, je suis en accord avec moi-même quand j'écris. Franchement, une carrière de chef d'entreprise ne m'aurait pas plus comblé qu'une carrière en littérature. D'accord. Très bien. Alors, c'était notre première question. Deuxième question. Donc, tu es en direct de Besançon, là. Tu es en train de nous parler en direct de Besançon, donc en France. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est dommage de ne pas rester dans son pays pour le développer à travers l'écriture, par exemple? Alors, chère Abbès, je vais répondre en toute honnêteté. On peut développer son pays de plusieurs façons possibles. D'ailleurs, je n'ai jamais rompu avec le Maroc, et je m'y rends régulièrement, et j'y ai même créé une association en 2009 qui se consacre à l'alphabétisation des femmes, parce que j'ai eu une période entre 2009 et 2012 où j'étais résidente à Casablanca, au fait. Donc, ce qui fait que le Maroc est toujours là, hein, même en habitant à Besançon. Hein. Et donc, j'ai toujours eu des séjours plus ou moins longs au Maroc. J'ai toujours développé aussi des choses avec mon pays d'origine. Et donc, cette association que j'ai créée en 2009 et qui est donc implantée à 60 km de Marrakech, eh bien, je m'en occupe même à distance, et j'y ai passé aussi beaucoup de temps
en particulier entre 2009 et 2012, pour bien la développer. Et c'est une association qui alphabétise chaque année plusieurs centaines de personnes, à peu près 500. Hein. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Et je pense que c'est une belle façon de développer mon pays. En toute modestie, je pense que j'aurais pu tout autant être au Maroc et ne rien développer du tout, ne pas alphabétiser des centaines de personnes par an au Maroc. Et ça, c'est une évidence. Et puis, bien entendu, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres projets que j'ai pu lancer pour les jeunes au Maroc, en milieu rural. Et puis, donc, concernant l'écriture, concernant la littérature, eh bien, je participe au développement de la littérature marocaine, puisque même en étant... La littérature, au fait, n'est pas ancrée dans un territoire géographique. Elle n'y est pas liée dans le sens où on peut écrire n'importe où. Mais le Maroc, puisqu'il nourrit mon imaginaire, puisqu'il fait la personne aussi que je suis, est très présent dans ce que j'écris, dans ce que je publie, et c'est une façon de le faire rayonner dans le monde, à travers donc la disponibilité du livre en Europe en particulier. D'accord. Pour les personnes qui nous suivent, le nom de l'association, c'est quoi que tu as créé? Zitoun, et c'est une association qui est implantée dans un village qui s'appelle donc Jatte, dans la province de Chichawa. Donc on a commencé dans un tout petit village qui s'appelle, dans un douar qui s'appelle Ait Ebeid, la première année, donc avec une soixantaine de femmes. Et c'est le village d'origine de mes grands-parents. Et petit à petit, on s'est étendu donc géographiquement, si bien que maintenant, on est sur à peu près une quinzaine de villages, hein, y compris donc le centre d'Omjat, donc qui est vraiment le cercle d'Omjat, donc qui est une commune donc qui regroupe donc plusieurs villages, et puis aussi à Chichawa. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, dernière question de cet audit, c'est, alors, maintenant, si tu n'avais pas été Leïla Behsein, quel grand écrivain ou écrivaine aurais-tu souhaité être? C'est, disons que, comme on dit, je vais dire un proverbe marocain, « Lekh li nafs bertna », ça veut dire qu'il ne faut pas chercher forcément à ressembler à quelqu'un. Et quand on comprend ça, c'est là qu'on commence à être un vrai écrivain. Parce qu'il ne s'agit pas d'imiter ou d'avoir un modèle absolu. Chaque écrivain a son parcours, a des thématiques qui l'obsèdent, qui le nourrissent et qui font que son œuvre est vraiment originale, authentique. J'ai beaucoup d'écrivains, bien sûr, qui m'ont nourri et que j'ai en admiration profonde. Et ils sont très nombreux, parce que si je me suis orientée vers l'écriture, c'est que vraiment, il y a eu des écrivains qui m'ont beaucoup fascinée et qui m'ont formée, en quelque part, qui ont contribué à mon apprentissage littéraire. Après, je ne troquerai ma place pour aucune autre, parce que, vous savez, ce que j'adore dans l'écriture, dans le métier d'écrivain, c'est qu'au fait, on se nourrit du bon comme du mauvais. C'est-à-dire que même nos échecs, même nos difficultés, tout comme nos joies, nos réussites, contribuent à créer une œuvre et à imaginer quelque chose. Au fait, c'est une force incroyable. Parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, à partir de là, je suis dans l'acceptation totale. Et du coup, je peux créer, écrire ce que j'ai envie, sans me fixer de contraintes ou sans pression. D'accord. Après, bon, si je vais dire des noms d'écrivains que j'admire, je les admire. Ça ne veut pas dire forcément que je voudrais être ces gens-là. Eh bien, ils sont très nombreux. Il y a Naguib Mahfouz, par exemple, que j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune. Il y a tous les classiques français, bien sûr, Victor Hugo, Flaubert, Stendhal, voilà, Zola, Balzac, ils sont nombreux. Il y a Virginia Woolf aussi, que j'aime beaucoup.
La liste est très longue. Donc voilà. Et côté marocain? Côté marocain, bien sûr, je lisais pratiquement tout ce qui sortait, surtout quand j'étais, par exemple, à l'ISKE et même un peu plus tard. Voilà. Tahar Ben Jelloun, bien sûr, Driss Charaibi, Mohamed Khairuddin, Mohamed Nedali aussi, qui est arrivé un peu plus tard, bien sûr, mais qui écrit des textes qui méritent vraiment d'être lus. Fouad Laroui, donc on a des voix très fortes. Je lisais surtout, par exemple, les livres de Tahar Ben Jelloun dès leur sortie. Après, Abdellah Taïer aussi. Donc, c'est une littérature qui est riche et qui mériterait et qui est très très variée. En fait, d'un auteur à l'autre, ce ne sont pas les mêmes styles, ce ne sont pas les mêmes univers, parce que le Maroc aussi est un pays pluriel. Et cette pluralité-là, on la retrouve aussi dans la littérature. C'est quelque chose de magnifique et qui devrait du coup être mieux valorisé par les lecteurs. D'accord. Et par les Merci. Voilà. Merci pour avoir répondu à l'audit Aliska. Alors, on va passer donc au vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours donc en tant qu'ISKAïste? Et comment s'est fait ce passage entre l'ISKE et le monde de l'écriture et de la littérature? Et tu nous parleras aussi de tes différents ouvrages, comment ils sont nés, comment est née cette passion de l'écriture, et si c'est possible aussi de nous donner un peu quels sont, est-ce qu'il y a des thèmes de prédilection que tu as? Est-ce qu'il y a certains thèmes qui t'intéressent plus que d'autres? Et enfin, tu nous diras également, Est-ce qu'il y a une certaine difficulté à être écrivain ou écrivaine? Peut-être qu'il y a une différence entre les deux. Écrivaine, c'est très bien, même si bon, chacun dit les choses comme il le souhaite, bien sûr. Mais donc, pour vous parler un peu de mon parcours, n'hésitez pas, bien sûr, à m'arrêter, surtout si j'ai oublié à répondre à toutes ces questions. Donc, concernant mon parcours... Alors, j'ai fait l'ISKE, effectivement, mais avant cela, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, très tôt, j'ai su que si j'avais une place dans ce monde, elle serait clairement dans le domaine de la littérature, parce que j'adorais ça. Comme beaucoup d'enfants du Maroc, on n'avait pas non plus énormément accès aux livres, mais dans ma famille, on en avait quand même quelques-uns, donc je les avais tous lus, c'était des livres d'adultes, et pourtant, je les ai lus quand j'étais enfant, parce que c'était, pour moi, quand j'ouvrais un livre, c'était un univers qui s'offrait à moi, je pouvais voyager dans des territoires qui m'étaient complètement inconnus, donc c'était l'aventure à travers les livres, à défaut de sortir dans les rues et d'aller pousser jusqu'à je ne sais plus quelle ville, jusqu'au désert marocain par exemple, je pouvais ouvrir un livre de Saint-Exupéry et y être. Ça me fascinait. Le fait d'avoir une discussion, d'avoir une parole qui venait de loin sans que je connaisse la personne, je trouvais ça magique quand j'étais enfant. Et du coup, très tôt, quand on me demandait ce que je voulais faire quand je serais grande, la question classique qu'on pose aux enfants, je disais que je voulais être écrivain. Et bien sûr, mes parents, ça les inquiétait, parce qu'au Maroc, c'était pas vraiment un métier. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, au Maroc, des écrivains qui vivent de ce métier-là, ça n'existe absolument pas, à moins d'être implanté ailleurs ou d'avoir un succès énorme sur le plan mondial, ce n'est pas une carrière évidente. Disons les choses, que ce soit au Maroc ou ailleurs d'ailleurs. Et donc à partir de là, on m'a dit, oriente-toi plutôt vers un métier qui pourrait te garantir un travail après. Voilà. Et donc je me suis exécutée, comme j'étais en plus bonne élève, donc je me suis dit, je vais faire ce qu'il faut, néanmoins je ne vais pas m'éloigner de cette passion. Ce que j'ai fait d'ailleurs, avec beaucoup de fluidité, c'est-à-dire que j'ai régulièrement, j'écrivais, j'adorais ça d'ailleurs, c'était fluide,
Donc, j'ai jamais abandonné la littérature, tout en poursuivant donc mes études à l'ISCAE, ou tout en, et puis même par la suite, même en ayant un travail en entreprise. C'était mon, ma part un peu intime, hein, que je développais, au fait que je fixais sur le papier quand j'écrivais le soir chez moi ou les week-ends et pendant les vacances. Donc, c'était mon activité favorite que je n'ai jamais abandonnée et sans rien attendre en retour, du coup, puisque j'avais un travail, une petite famille. Mais je ne me suis jamais éloignée de ça parce que c'était une question pour moi d'équilibre personnel. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important quand on a une activité artistique. Quand on veut écrire, quand on veut devenir écrivain, c'est un conseil maintenant que je donne aux jeunes quand je vais dans les lycées ou quand on me pose la question, il faut se demander pourquoi on le fait. C'est-à-dire, écrire n'est pas publier. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, il y a des écrivains qui sont maintenant très célèbres et qui ont écrit toute leur vie sans avoir eu de succès, sans même avoir été publiés et qui, dans les ouvrages, ont été publiés à titre posthume. Donc, à partir de là, quand on a fait ce travail sur soi, de se dire je vais écrire parce que j'en ai besoin, parce que c'est nécessaire pour moi, parce que j'aime cette activité, eh bien, ça facilite un peu les choses. Et du coup, on fait ça avec beaucoup plus de sérénité. Et du coup, donc, concernant mon parcours, donc, j'ai continué ainsi, hein, en écrivant, tout en travaillant la journée, tout en ayant des responsabilités en entreprise. Mais ça s'est fait aussi par étapes, c'est-à-dire qu'au départ, j'écrivais surtout des nouvelles, parce que la nouvelle, c'est un genre déjà que j'apprécie beaucoup, c'est un genre que j'affectionne, et ça prend moins de temps qu'un roman. Un roman, c'est un engagement dans la durée, ça prend beaucoup de temps, ça se fait sur le long terme, alors qu'une nouvelle, eh bien, on capte un instant, c'est un moment de crise ou c'est un moment voilà, qu'on essaye de décrire, et c'est un genre qui est court, donc par définition. Et du coup, bah, j'écrivais beaucoup de nouvelles, et un jour, en 2011, parce que ça correspond à la période où je vous ai dit voilà, que je me trouvais au Maroc, eh bien, je suis rentrée dans un bureau de tabac au Maroc, à Casa, et donc je suis tombée sur le magazine littéraire du Maroc, qui existait d'ailleurs depuis peu, qui a été lancé, il me semble, en 2010. Et très beau magazine littéraire, de grande qualité, lancé par Slim Shidedi, et auquel contribuaient Adel Haroui, Tahar Ben Jelloun, donc de très beaux noms de la littérature marocaine. Et ce magazine organisait donc un concours d'écriture, de nouvelles, et qui était donc ouvert aussi aux lecteurs. Alors, ils avaient organisé un atelier pour des gens un peu du milieu, sans doute, à Tétouan. Et donc, on pouvait aussi participer en tant que lecteur de la revue. Et là, je me suis dit, si tu as quelque chose à faire dans ce milieu de la publication, ce qui n'a rien à voir avec l'écriture en soi, hein, eh bien, c'est le moment de tester. Donc, je me souviens être rentrée chez moi et donc, j'avais une nouvelle, donc confinée, et je l'ai donc adressée par mail au magazine. Et du coup, elle a été primée, elle a été publiée dans le magazine littéraire du Maroc. Et ça a commencé comme ça, donc mes différentes publications. Par la suite, donc j'ai donc, été invitée. Cette nouvelle s'appelait Sandira. Oui, c'est une nouvelle qui s'appelait Sandira. Dis-nous, parle-nous un peu de cette nouvelle. C'est une nouvelle, c'est vrai que ça remonte à loin maintenant, mais c'est une nouvelle qui parle au fait, parce que tout ce que j'écris quasiment est écrit à la première personne du singulier. Donc c'est une nouvelle où la narratrice, qui pourrait être moi, hein, ou pas, mais en tout cas qui dit, c'est je qui parle. Hein. Et donc la narratrice, c'est quelqu'un qui revient au Maroc, parce que bon, forcément c'est court, et donc elle revient au Maroc après, on sait qu'elle prend l'avion à Paris, et qu'elle arrive donc à Casa, donc elle raconte ce périple-là, et puis elle se promène dans Casablanca pendant une journée. Donc elle décrit ce qu'elle voit dans Casablanca, et son rapport aussi aux autres, comment une femme qui se promène comme ça dans Casa, qui va vers la mosquée Hassan II, et bien sûr, il va se passer quelque chose, parce qu'il y a une chute quand même,
que je ne vais pas dévoiler pour ne pas. Voilà. Et donc, ça décrit vraiment l'ambiance. Elle voit Casablanca, elle voit le Maroc avec des yeux tout neufs, alors qu'elle est d'ici, elle est du Maroc. Et du coup, elle pointe au fait du doigt tout l'aspect un peu qui peut parfois être loufoque dans certaines situations à Casablanca. Et puis, il y a une chute qui est quand même très forte, peut-être un peu surprenante. Et du coup, ben voilà, cette nouvelle-là, elle avait eu quand même un certain nombre de lecteurs, un petit succès, disons, hein, avec les lecteurs au Maroc, puisque après, donc, la Villa des Arts de Casablanca m'avait invité dans le cadre d'une rencontre sur l'art de la nouvelle. Donc et puis, c'est une nouvelle qui a interpellé, au fait. Je m'en suis rendu compte après. Hein, et elle est encore aujourd'hui enseignée à l'université de Mohammedia, puisque j'étais allée à la rencontre des étudiants de la faculté de Mohammedia avec donc, le professeur Monsef Stetre Alaoui, qui a consacré donc, une étude aux différentes nouvelles et puis aux romans que j'ai pu écrire par la suite. Donc voilà, concernant ma première publication, donc ça c'était en 2011. Et du coup, voilà, c'était pour moi un signe, avant d'arriver à mes 30 ans à l'époque, c'était quand même pour moi très, 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 c'était pour moi symbolique, en fait, c'était décisif. Et ensuite, donc j'ai pu aussi participer à d'autres publications, du coup, ça a démarré comme ça, hein, plusieurs nouvelles, que ce soit dans des recueils collectifs, au Maroc d'ailleurs, ou en France aussi, dans une très belle revue qui s'appelle Apulée. Et donc voilà. Et l'art de la nouvelle, au fait, ça m'a permis vraiment de... J'adore, non seulement j'adore ce genre, mais en plus, il m'a permis vraiment de peaufiner mon écriture et de l'améliorer. Parce que c'est un genre exigeant, la nouvelle. Autant quand on écrit un roman, le roman, eh bien, il y a des moments un peu creux, disons, où on peut raconter quelque chose d'un peu plus banal. Alors qu'une nouvelle, on va à l'essentiel. Donc, il faut être efficace quand on écrit une nouvelle. Et ça, j'adore ce travail-là. Et ensuite, donc, en 2018, eh bien, j'avais fini d'écrire mon premier roman et je l'ai envoyé donc par la poste aux éditeurs en France. Et je me suis dit, parce que bon, c'est un roman qui se déroule en deux parties, hein, une partie au Maroc, une partie en France. Je l'ai écrit. Donc là, on parle de le ciel sous nos pas, c'est ça ? Oui, on parle de Le ciel sous nos pas, effectivement. C'est un roman que j'ai écrit alors que je travaillais en agence de communication, donc directrice. Et donc, je l'ai écrit vraiment dans des conditions assez spéciales parce que je me souviens qu'il y avait des moments où j'étais en plein travail ou en pleine réunion et il y avait cette voix puissante de mon personnage, de ma narratrice, qui m'interpellait presque. C'était un truc bizarre, quoi. Donc je me contenais vraiment. Je me disais, bon, bah, c'est bon, fais bien ton travail quand même. Et puis tu vas écrire tout ça quand tu seras chez toi, au calme. Et parfois même entre midi et deux, sur mon bureau, eh bien, j'écrivais. Voilà. D'où l'avantage de ne pas avoir de responsable hiérarchique présent derrière son dos. Je peux le confesser aujourd'hui. Et ceci dit, je faisais quand même mon travail. Je crois que je le faisais bien. Et du coup, donc au début 2018, eh bien, j'ai envoyé le manuscrit de mon roman donc par la poste à des éditeurs en France. En ayant la trouille, surtout que j'avais décidé vraiment d'arrêter mon travail en agence parce que c'était très prenant. Voilà, j'avais fait ce choix-là. Je me suis dit, je vais vraiment essayer quand même de me consacrer à la littérature. Je vais me faire un test, je vais me donner le temps, je pouvais me permettre. Donc, j'ai fait comme ça et donc j'ai envoyé le manuscrit par la poste. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'en parle parce que c'était un grand moment. C'est pas que je n'y croyais pas trop, mais disons qu'on nous dit tellement de choses. On nous dit par exemple que les éditeurs ne lisent pas les manuscrits qu'ils reçoivent. Voilà, donc on finit par se dire que c'est vrai.
Et du coup, bon, je me suis dit, soyons fous, je vais les envoyer aux grands éditeurs en premier, et puis après, je passerai aux moyens, et après aux plus petits. Et donc, je l'ai envoyé par la poste, et quelques jours après, la même semaine, donc 2 jours à peu près, ensuite, donc j'ai reçu un coup de fil des éditions Albin Michel, puis après, les choses se sont enchaînées, donc j'ai signé un contrat avec eux, et le roman est sorti donc en janvier 2019, parce qu'il y a toujours donc un moment de bâton, bien sûr, entre le moment où on envoie son manuscrit et la date à laquelle le livre sort. Et donc, ça s'est poursuivi comme ça. Donc, le roman est sorti. J'ai rencontré beaucoup de lecteurs aussi dans le cadre de dédicaces, de salons du livre. Le roman a eu aussi pas mal de prix, donc ce premier roman, Le ciel sous nos pas. Et donc, tout de suite, au fait, quand je l'ai envoyé par la poste, avant même sa parution en janvier 2019, je me suis dit, bah, je vais commencer un autre roman pour. Voilà, parce que c'est vrai que quand on écrit un roman, on s'attache au personnage, on s'attache à l'ambiance, et ça devient un peu comme un monde réel. On a passé des heures et des heures à faire ce travail-là, ça s'est étalé sur une période très longue, et du coup, il y a un vide quand on finit un roman. Et ben, je me suis dit, ben, tout de suite, pour combler ce vide, il faut tout de suite passer à autre chose. Et donc, j'avais commencé La théorie des aubergines avant même la parution du Ciel sous nos pas. Et donc, La théorie des aubergines, ben, j'ai pu le finir tout au long de l'année 2019. Et du coup, je l'ai donné à l'éditeur en mars 2020, quand allait commencer le confinement. Et il est sorti en mars de cette année. D'accord. Alors, Leïla, avant de continuer, alors ton propos a suscité en moi trois questions. Trois questions. La première, c'est au départ, lorsque tu as parlé du fait que cet intérêt pour la lecture a toujours été présent. Je voudrais bien comprendre, et je pense que les personnes qui nous entendent aussi voudront bien comprendre, comment s'est fait cette initiation? Est-ce que ça a été à travers l'école? Est-ce que ça a été à travers les parents ou à travers un autre moyen? Comment tu as eu goût à cette envie d'écrire et de lire, pardon, de lire d'abord. Alors, l'envie de lire d'abord, elle s'est faite par deux moyens, par mon milieu familial, sans doute, parce que mon père travaillait au fait dans l'hôtellerie. Il avait été grand lecteur quand il était plus jeune, et du coup, donc on avait des livres chez nous, ma mère aussi d'ailleurs. Donc on avait des livres, quelques-uns, peut-être pas non plus. Voilà, donc c'était des livres d'adultes, et ces livres-là, par le simple fait de les voir là, peut-être que ça m'a. Il y a quelque chose qui m'a tiré dans l'objet livre. Voilà, d'ouvrir et puis de savoir lire. Et je pense que même avant d'apprendre à lire, du peu que je me souviens, voilà, et de ce que me raconte aussi ma famille, au fait, moi, très tôt, je voulais apprendre à écrire. Donc, j'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi, et quand elle a commencé donc, à fréquenter l'école, eh bien, je voulais forcément faire comme elle, alors que je n'étais pas encore à l'école, je n'avais pas encore appris à écrire. Donc, j'essayais de l'imiter en écrivant les lettres, que ce soit en français ou en arabe. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu attirée de manière spontanée, disons. Et ensuite, il y a aussi le milieu scolaire, je dois dire, qui m'a aussi influencée, parce que tout au long de ma scolarité, même quand j'étais au collège ou au lycée, ou plutôt à l'école primaire, quand on travaillait les cours d'arabe ou les cours de français, eh bien, c'est quelque chose vraiment qui m'intéressait. Mais pourtant, à l'époque, moi, j'ai eu mon baccalauréat en 99 au lycée Hassan II. Et au lycée Hassan II, donc, comme la plupart de ceux d'entre vous qui étaient dans des lycées publics au Maroc, eh bien, on n'avait pas vraiment de livres à lire dans le programme, que ce soit en arabe ou en français. Par contre, on avait des extraits.
Et ces extraits-là, eh bien moi, ça me plaisait beaucoup d'avoir des extraits littéraires. Je me rappelle que c'était quelque chose qui me rendait vraiment heureuse et je faisais ça avec beaucoup de joie, si bien que mes rédactions en arabe ou en français plaisaient beaucoup à mes profs. Donc, je leur dois beaucoup à mes professeurs. Et puisqu'on en parle, je vais rendre un hommage à ma prof de français de quand j'étais... Au Maroc, on appelait ça la neuvième. Donc, ça correspond au brevet ici en France. Voilà, c'est ça. Donc, quand j'étais au collège Imam Malik, donc à Marrakech, eh bien, ma prof de français, qui s'appelait Madame Kstafi, donc si jamais elle a l'occasion de voir cette vidéo, on ne sait jamais, eh bien, je lui dois beaucoup parce que c'était une prof très sérieuse. Et un jour, je me souviens qu'après une rédaction, elle m'avait fait lire donc mon texte devant toute la classe, et puis elle m'a dit vraiment d'un ton très sérieux, Mademoiselle Bahsen, parce qu'on nous appelait comme ça, hein, on ne nous appelait pas par notre prénom, Mademoiselle Bahsen, eh bien, si un jour vous ne devenez pas écrivaine, c'est que vraiment vous aurez raté votre vocation. Et cette phrase-là, elle m'a beaucoup aidée parce que souvent dans ma vie, je me suis remémoré cette phrase. Je me suis dit, bon voilà. Ma prof de français a tout de suite cru en moi, elle a vu qu'il y avait quelque chose, elle m'a demandé quelque part de m'orienter vraiment vers l'écriture littéraire, elle a vu que j'avais quelque chose à faire dans ce milieu, et donc c'était une validation, et les profs ont vraiment un rôle à jouer là, dans ce domaine-là. Donc ça s'est fait de cette manière-là. Je n'entends rien. Alors, pardon, excuse-moi. Avant de passer à la théorie des aubergines, j'ai également deux questions et une autre question de l'auditoire. Alors, à un moment donné, tu as parlé de besoin d'écrire. Le besoin d'écrire et ensuite tu as parlé de publication. Donc, il y a deux questions. La première, c'est pourquoi ce besoin d'écrire? Tu as parlé à un moment donné de crise. Est-ce que c'est une crise qui est à l'origine de ce besoin d'écrire? Non, la crise pour moi, elle concernait l'art de la nouvelle. Au fait, l'art de la nouvelle, je considère que c'est un art qui s'attache à creuser un moment de crise. D'accord. Contrairement au roman qui est sur un temps beaucoup plus lent, voilà, c'est ma façon d'appréhender ces deux genres, complètement différents à ce niveau-là. Mais alors, pour répondre à ta question, concernant donc ce besoin d'écrire, alors, je vais essayer de répondre parce qu'on n'est jamais sûr de ces choses-là. Puisque bon, ça fonctionne, donc je ne m'interroge pas trop. Hein, je ne vais pas faire ma psychanalyse de cette question. Mais je l'attribue quand même à des petits événements hein, qui sont liés aussi, bien sûr, à mon parcours. Par exemple, le fait que... Maintenant, avec le recul, hein, ça s'est pas fait de manière consciente. Maintenant, je peux dire que peut-être, alors c'est une simple hypothèse, que du fait que quand j'étais enfant, j'avais peut-être un besoin de m'exprimer de manière très libre, très authentique, alors que peut-être, voilà, les normes sociales, éducatives, nous invite à un peu plus de retenue, un peu plus de réserve. Et donc, c'est un... De toutes les façons, peu importe la société où on est, moi, je considère qu'il n'y a pas d'espace de liberté plus grand que celui que peut m'offrir une page blanche. Parce que quand on discute, par exemple, eh bien, le langage a ses limites. On est toujours un peu... La communication... Bien sûr, n'est jamais parfaite à 100%. Et puis aussi, on est tenu de respecter aussi des normes sociales. Et à partir de là, il reste pratiquement toujours chez l'individu une part non exprimée, qui, à travers l'art, peut du coup non seulement s'exprimer, mais aussi
sublimer aussi le réel et en faire quelque chose de beau. Et ça, moi, j'ai toujours eu cette fascination pour des phrases capables d'exprimer, voilà, comme je le dis des fois, voilà, c'est d'exprimer l'ineffable. C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que j'ai toujours eu ce besoin d'aller au-delà du langage courant, du langage habituel, et de faire quelque chose de beau qui allie non seulement la langue, mais aussi qui profite au fait des expériences de la vie, de ce que je peux observer, qui allie une part d'humain, une part de psychologie, d'interaction sociale à la beauté de la langue. D'accord. Alors, j'ai une question d'un alumni, d'un lauréat de l'ISKE. La question est, est-ce que le cinéma, ou plutôt le scénario, ne vous tente pas ? Très bonne question. Alors, le cinéma, au fait, c'est une autre écriture. C'est une autre écriture, et je pense que quand un écrivain veut écrire, par exemple, pour le cinéma, tout de suite, il doit écrire un scénario qui est un genre qui fonctionne avec des codes bien, bien établis. C'est très... Il y a vraiment des contraintes, hein, pour écrire un scénario. Ça, d'une part, c'est un autre art qui n'a rien à voir avec l'art littéraire, donc le roman, la nouvelle, le théâtre ou la poésie. Et donc ça, d'une part, mais pourquoi pas un jour. Pour l'instant, je n'ai pas ressenti le besoin d'écrire un scénario. Maintenant, on le voit des fois, on voit des fois des romans qui sont adaptés au cinéma. Et souvent, d'ailleurs, c'est un travail qui se fait qui est fait par des cinéastes. Les écrivains font confiance aux cinéastes pour faire ce travail-là, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas la même écriture. Voilà. Et parfois, ça donne lieu à des surprises, y compris mauvaises, pour de très bons romans qui peuvent être mal adaptés. Et parfois, ça peut être aussi une réussite. Voilà. D'accord. Alors, à un moment donné, tu as parlé de publication et d'écriture. Il y a une différence. On peut écrire et ne pas publier. Toi, tu as fait les deux. Tu as écrit et tu as publié. Oui. Comment expliquer, comment on passe d'un état à un autre? Pourquoi vouloir publier? Alors déjà, je vais vous faire une confidence. Tout ce que j'ai écrit n'a pas été publié. Ah. donc voilà, ça c'est important de le savoir. Après, effectivement, la publication n'a rien à voir avec l'écriture. On écrit d'abord parce qu'on a envie d'écrire. Et pas forcément... Encore aujourd'hui, je le dis, quand je le dis aux gens, ça les surprend. Quand j'écris, je sais pas si ce que je fais, si le manuscrit va être publié un jour ou pas. Je peux aussi décider de ne pas le publier si j'estime que ça ne vaut pas la peine. Enfin voilà, on peut avoir 36 000 raisons pour ne pas publier un texte. D'ailleurs, il y en a qui l'ont fait. Vous savez, au Maroc d'ailleurs, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, il y a Ahmed Lebouanani, qui est surtout connu pour son travail de réalisateur. C'est un grand homme, un grand monsieur du cinéma marocain, qui a écrit, donc qui a publié un seul roman. C'est L'Hôpital. Donc, le titre du roman, c'est L'Hôpital, et je vous conseille d'ailleurs de le lire, ce livre-là, qui pour moi est essentiel. C'est un petit chef-d'œuvre. Très difficile à trouver au Maroc. Alors, je ne sais pas, il m'est arrivé de l'acheter, donc je l'ai acheté, je l'ai en plusieurs exemplaires. Il est publié en France aux éditions Verdier, très belle maison d'édition, très exigeante maison d'édition d'ailleurs. C'est dire aussi le niveau de qualité du roman de Ahmed Lebouanani, donc L'Hôpital. Et il est édité au Maroc chez MK Édition, DK ou MK Édition, il me semble. Donc, vous pouvez le trouver au Maroc, je pense, sans problème, ou le demander à un libraire au Maroc, et je pense qu'il pourra vous fournir. Et donc, tout ça pour dire que Ahmed Lebouanani, il me semble avoir lu quelque part que
que c'est quelqu'un qui ne voulait pas systématiquement publier. Il fallait ruser avec lui pour qu'il donne ses manuscrits, et notamment le manuscrit de l'hôpital, à publier. Il avait sans doute des raisons à cela. Kafka, me semble-t-il, aussi n'avait pas publié de son vivant. Alors, vous imaginez, il travaillait toute la journée dans une compagnie d'assurance, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et après, donc, il écrivait, mais n'arrivait pas à se faire publier. Donc, voilà. Donc, à partir, et d'ailleurs, on voit aussi... Est-ce qu'il y a aussi cette envie d'avoir, en publiant, d'avoir un feedback de la part des lecteurs? C'est cette volonté de partager avec les lecteurs et d'avoir aussi un retour. C'est une sorte d'échange, non? Est-ce qu'il n'y a pas cette envie aussi? Alors, je me suis beaucoup interrogée sur cette question et je m'interroge aussi beaucoup sur ça pour aujourd'hui. Avec le temps, on évolue sur cette question. Au départ, on est un peu plus en attente de signes de reconnaissance, de signes d'encouragement. Parce qu'on a besoin d'une confirmation. J'en parlais tout à l'heure quand j'étais adolescente avec cette prof qui m'avait encouragée, ça m'avait beaucoup aidée. Et par la suite, voilà, j'étais très sensible à ce genre de signes. Ensuite, plus on évolue dans sa pratique et plus cette question-là, aujourd'hui, quand je m'intéresse à cette question, je me dis la chose suivante. C'est que quand on écrit, on donne la meilleure part de soi. Moi, je veux juste être authentique quand j'écris. Je suis moi-même. Y a quelque chose de transcendant dans mon rapport à l'écriture. Et j'ai toujours l'image de ces bouteilles, vous savez, quand j'étais à la mer, avec un message à l'intérieur. C'est-à-dire que ça peut être un message de détresse, ça peut être aussi un salut qu'on envoie à quelqu'un, ça peut être un message qui va sauver quelqu'un d'une situation pénible pour lui. Donc c'est une main tendue pour le lecteur. Et à partir de là, c'est comme un cadeau que vous offrez à quelqu'un. Après, que ce cadeau-là corresponde à son besoin, ou qui ne lui plaise pas, ou qu'il estime qu'il a mieux à acheter, ça lui appartient, disons. Ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on a écrit parle à quelqu'un et surtout que ça lui est utile à un moment donné. Voilà. Ce qui fait que maintenant je suis sereine par rapport à ça. Je me réfère aussi à mes expériences en tant que lectrice, parce que je suis d'abord une grande lectrice aussi. Avant d'être écrivain, on est d'abord un lecteur. Et quand je lis, il m'est arrivé par exemple d'acheter des livres, parce que j'ai lu un article ou parce qu'en librairie, c'est un livre qui m'a attiré. Et une fois chez moi, je le commence et puis il se trouve qu'il me tombe des mains ou je sais que ce n'est pas le moment. Je ne me dis pas que c'est un mauvais livre pour autant. C'est juste que je ne suis pas... Ça ne correspond pas à mon état émotionnel du moment. C'est ce que je dis concernant ce livre-là. Je peux le mettre de côté et quelques temps après, il va m'arriver quelque chose dans la vie, une joie, un événement, une observation. Et je vais me dire, je vais me tourner vers tel livre, ça va peut-être m'aider à prendre une décision, ça va peut-être m'aider à épuiser quelque chose. Et donc, je me dis que ça doit être pareil pour mes lecteurs. À savoir que le livre peut tout de suite correspondre à leur état d'esprit, à leur état émotionnel. Et souvent, j'en ai la confirmation d'ailleurs, parce que je reçois aussi des messages, des retours qui me font énormément plaisir, puisqu'on se dit que... Moi, je me dis, s'il y a une personne qui reçoit ce que j'écris et qui en ressent l'utilité, le besoin, et qui est chez qui ça résonne... c'est mon plus beau cadeau. D'accord. Très bien. Alors, on passe donc à cet ouvrage qui interpelle énormément par son titre. On connaît tous
la théorie de Darwin. On connaît tous les différentes théories économiques, Keynes, etc. On connaît énormément de théories. Mais la théorie des aubergines, je pense que ça, c'est une invention, c'est une théorie développée par Leila et par n'importe, et pas par quelqu'un d'autre. Donc, si tu peux nous résumer, c'est quoi cette théorie des aubergines? Alors, D'abord, est-ce que les aubergines sont un plat que tu aimes bien? Est-ce que c'est un légume? J'aime beaucoup les aubergines. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est une réalité. Après, ça s'est fait. Disons que ce n'est pas un hasard, ce titre. C'est qu'en fait, j'ai construit le roman à la manière d'un trompe-l'œil. J'avais cette idée dès le départ. Parce que quand j'écris, j'ai ça aussi. C'est-à-dire, je me dis, ce n'est pas une simple histoire que je vais raconter. C'est l'écrivain Céline qui disait ça. Il disait des histoires, il y en a plein les commissariats. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comment raconter l'histoire. C'est ça qu'on attend d'un écrivain. Et donc, c'est un jeu aussi qui m'intéresse de savoir comment je vais construire mon roman. Comment je vais faire les plans de ce roman, comment je vais, les fondations en fait de ce roman, comment je vais m'y prendre. Et dans le cas de la théorie des aubergines, j'avais l'idée en tête d'un roman en trompe-l'œil, puisque je voulais aller creuser ce qui se cachait derrière les apparences. Et donc à travers ce titre, on peut se limiter aux aubergines et se dire que ça sera un roman où on parle de cuisine, de nourriture. Et puis après, quand on ouvre le roman, ben on se rend compte qu'il est question aussi de plein d'autres choses. Et donc, on ouvre cette boîte magique et on regarde ce qui se cache derrière les apparences. Donc, d'où ce titre, La théorie des aubergines. J'en reviens aussi à Darwin. Puisqu'en général, les théories, hein, que ce soit les théories de l'évolution ou les différentes théories économiques, hein, qui sont d'ailleurs, je leur fais aussi un clin d'œil dans le passage réservé à la théorie des aubergines, que ce soit à Adam Smith ou à Taylor ou à d'autres théoriciens donc, de l'économie, souvent les théories sont assez hautaines, assez pédantes, comme on dit, dans le sens où quand on écoute une théorie, bien souvent on a l'impression qu'elle est complètement hors sol, que c'est un peu incompréhensible à monsieur et madame tout le monde, qu'il y a ce côté hautain par rapport à monsieur et madame tout le monde, par rapport à la population. Et du coup, comme dans ce roman-là, il est question d'insertion, il est question de personnes simples, de personnes humbles, mais non moins intelligentes, parce que la sagesse populaire, l'intelligence des gens qui n'ont pas fait non plus énormément d'études ou qui sont dans des situations difficiles, vaut aussi la peine qu'on s'y attarde et qu'on la valorise. Et donc, je suis partie de ça pour choisir ce titre. Et ça se passe aussi dans une cuisine d'insertion parce que c'est un symbole qui est fort. C'est une métaphore du partage, de l'entraide, de toutes les belles valeurs de notre belle humanité. Voilà. D'accord. Alors, une question très pratique. Est-ce que le choix du titre s'est fait après avoir écrit le roman ou ça s'est fait avant ? Pour ce roman-là, donc pour la théorie des aubergines, le choix s'est fait après. D'accord. Il s'est fait après. J'avoue qu'au départ, c'est vrai que j'avais un autre titre, mais je n'étais pas très convaincue, parce qu'il y avait cette idée justement d'un roman en trempe-l'œil et tout ça. Et une fois que j'ai fini le manuscrit, j'ai tout relu, du début jusqu'à la fin, et tout de suite, ça m'est paru évident. C'était la théorie des aubergines. D'accord. Parce que quand j'avais le nez dedans, je ne me rendais pas compte, je ne pouvais pas. C'est comme en fait le travail d'un peintre qui dessine sa fresque, il n'a pas encore de recul. Et après, quand il a terminé, eh bien, il prend un peu plus de distance et il voit, il regarde
qu'il a fait. Et là, il peut avoir un jugement plus objectif sur les choses et donner un titre. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, il y a également une question qui doit être posée, c'est est-ce qu'il y a une difficulté à être écrivain ou écrivaine ? Peut-être plus écrivaine que écrivain, mais est-ce qu'il y a une difficulté à être écrivain, que ce soit au Maroc ou en France, par exemple ? Alors, je vais d'abord répondre spontanément et après, peut-être que ça mériterait quelques précisions dans le sens où, voilà, j'espère ne pas être à côté. Pour moi, il n'y a pas de difficulté à être écrivaine, en ce qui me concerne. C'est-à-dire, la réelle difficulté que je vois, c'est celle de ne pas écrire. C'est la seule difficulté qui peut se poser à un écrivain, c'est l'impossibilité d'écrire. Néanmoins, donc à partir de là, je ne vois pas de difficultés personnelles, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, sur le plan de mon engagement dans l'écriture, c'est un monde parfait, disons. Après, concernant la publication, là, l'écrivain peut rencontrer. Quand on publie et quand on veut faire de l'écriture son métier, on est bien sûr, il y a bien sûr des difficultés, parmi lesquelles, bien sûr, il faut faire connaître son travail, ce qui n'est pas du tout la même chose que quand on écrit. C'est pas le même travail, défendre son livre que de l'écrire. J'estime quand même avoir beaucoup de chance d'avoir eu tout de suite des lecteurs avec mon premier roman, d'avoir une très bonne maison d'édition aussi qui défend mon travail. Est-ce que votre question elle concernait en particulier l'écrivain marocain, et puis vous m'avez posé la question, vous m'avez dit pour une femme en particulier ou est-ce que j'ai répondu? Oui, en fait il y a deux niveaux. Est-ce que d'abord en tant qu'écrivaine il y a plus de difficultés à évoluer qu'en étant écrivain? Première question. Et deuxième question, est-ce que, par exemple, être écrivain au Maroc est quelque chose qui est plus difficile à être écrivain en France, par exemple? Bien sûr, être écrivain au Maroc, moi, ça me semble évident. Être écrivain au Maroc, c'est plus compliqué que d'être écrivain en France, pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première étant qu'en France, il y a énormément de lecteurs, il y a des circuits de distribution qui sont beaucoup plus nombreux, énormément de librairies, beaucoup de festivals de la littérature. La France est un pays où on célèbre la littérature, on célèbre l'objet livre. Donc à partir de là, l'écrivain peut avoir un certain lectorat qui est bien plus important que ce qu'il peut avoir au Maroc, même si, bien sûr, c'est quelque chose que personnellement je souhaite. Il y a des efforts qui sont faits au Maroc dans ce sens-là, mais qui mériteraient bien sûr d'être développés, que ce soit par des initiatives publiques, étatiques, donc, ou par des initiatives comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Donc il y a déjà cette difficulté qui est purement, disons, économique. Au Maroc, c'est pas, enfin voilà, un best-seller se vendrait au Maroc à 3000 exemplaires et encore. Et avec 3000 exemplaires, que ce soit l'éditeur ou l'auteur, on va pas très loin. Il n'y a pas énormément de lecteurs et de retombées. Donc l'objet livre mériterait une meilleure diffusion, et d'ailleurs tout le monde aurait à y gagner, à commencer par les jeunes générations. Donc c'est surtout ça, le point central, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'accès des jeunes à l'objet livre. C'est une nécessité, c'est quelque chose d'urgent, d'important, et il faut le renforcer. On ne lit jamais assez de livres. Et donc voilà, donc il y a cette première différence,
c'est-à-dire que, qui est culturel, qui est économique. Donc, en France, les gens sont peut-être un peu plus habitués à la lecture, ont plus de facilité à accéder aux livres. Besançon, par exemple, puisque c'est la ville où je me trouve, eh bien, quand vous êtes inscrit à une bibliothèque, eh bien, vous êtes systématiquement inscrit à toutes les autres bibliothèques de la ville et c'est gratuit. Donc, vous ne payez absolument rien. Voilà. Alors que je me souviens que quand j'étais à Marrakech, dans les années 90, quand j'étais adolescente et que je prenais mon petit vélo pour aller à la bibliothèque de l'Institut français, que je payais à l'époque dans les 210 dirhams pour l'année. Donc, tout le monde ne pouvait pas se permettre de payer 200 dirhams sur une année. Donc c'est déjà un premier frein pour les jeunes. Donc, d'une part, il y a cette difficulté-là. Mais l'écrivain, bien sûr, voilà. Après, moi, j'ai rencontré aussi des lecteurs au Maroc. Et franchement, ça faisait plaisir de voir qu'ils avaient réellement apprécié, lu, et apprécier le moment d'échange que je pouvais avoir avec eux, ce qui me fait penser qu'il y a une réelle demande de ce que j'ai là. Il y a des attentes. Voilà. Alors, pour rester dans les théories, alors, il y a une théorie qui est très, très répandue ici au Maroc, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. Est-ce que tu es pour cette théorie ou tu as une autre vision de la chose? Ça concerne la culture, enfin, on parle de la littérature, mais finalement, c'est aussi quelque chose qui rejoint les autres disciplines artistiques. Mais est-ce que pour toi, il y a un problème de demande ou bien le problème est également lié à la distribution, à la promotion, etc.? On peut pas dire que ce soit... On ne peut pas dire que ce soit purement un problème de demande. Je pense d'abord que c'est un problème d'éducation, d'accès. C'est-à-dire que les jeunes dans les écoles, dans les écoles primaires, dans les lycées, dans les collèges, devraient avoir une meilleure formation littéraire et peu importe la discipline qu'ils choisissent. D'ailleurs, moi, quand j'étais en Master 2 ici à Besançon, c'était dans nos programmes d'avoir... De lire un roman pour analyser comment ça fonctionnait dans le service, voilà, au niveau de la motivation du personnel, etc. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des supports artistiques. Je me rappelle qu'on regardait dans le cours sur la gestion des conflits le film 12 hommes en colère. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette culture de l'objet livre qui est présent et qu'on met dans la main de l'enfant, qu'il le veuille ou pas, quand il est petit, quand il va à l'école maternelle, même en milieu rural, dans une école publique, ce qui n'est pas le cas au Maroc. Donc, il y a déjà un problème de formation, d'éducation à l'objet livre. Il y a aussi, je parle en toute franchise, il y a aussi un problème aussi de... Enfin, moi, je pense qu'on devrait aussi peut-être désacraliser l'objet livre au Maroc. Je m'explique. Quand je vais dans une bibliothèque au Maroc, puisque du coup, comme j'ai l'obsession des livres, souvent, quand je vais au Maroc, mes pas me mènent vers les librairies, les bibliothèques, ne serait-ce que par curiosité. Et du coup, par exemple, en France... disons que si un livre est abîmé, qu'on le donne à un enfant qui l'abîme, ce n'est pas très grave. Au Maroc, disons que dans les bibliothèques, il y a un côté presque fastueux. Disons que c'est bien mis en avant, c'est bien rangé, on aime les belles choses. Et du coup, on sacralise peut-être un peu trop le livre, ce qui crée une distance un peu avec l'objet, surtout quand on est enfant, quand on est ado. Il ne faut pas de barrière avec le objet livre, ça faciliterait l'accès à la lecture, à la littérature, à mon sens. Donc, il y a ce frein-là. Il y a aussi un frein purement aussi économique, puisque pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder, de s'inscrire dans une bibliothèque,
ou d'aller acheter un livre dans une librairie, eh bien, c'est très compliqué. Ça va de soi, au fait. Donc, c'est déjà une discrimination. Alors, ce point est très intéressant. Selon toi, à quoi est dû le fait que le livre reste quand même un produit qui est cher? Sachant qu'on a assisté ces derniers temps à des éditions qui proposent des livres à des prix assez attractifs. Maintenant, la question, est-ce que ce niveau de prix reste quand même élevé? Quel est selon toi le... Selon moi, alors, c'est pas la science infuse. Comme on dit, je pense déjà que je peux me tromper, hein. Mais si on n'a pas été initié à la lecture, si on n'a pas été sensibilisé à l'intérêt de la lecture, si on n'y voit pas d'intérêt et qu'on n'a pas l'habitude, eh bien, on a un salaire, par exemple, limité, mettons quelqu'un qui touche, je sais pas, 4 000 dirhams, par exemple, au Maroc, ce qui correspond au salaire d'un employé, d'une administration, par exemple, au Maroc, il aura peut-être d'autres dépenses qu'il va prioriser à celui de l'achat d'un livre, même pour 50 dirhams ou 30. Donc, c'est une question de priorité parce que, est-ce que ça correspond à un besoin? Pour le coup, on va parler avec des termes économiques. Donc, est-ce que ça correspond à un besoin? Je n'en suis pas sûre, puisqu'il n'a pas été initié. Voilà. D'accord. Je pense très bien. L'initiation. Très bien. Écoute, un débat qui mélange et de l'artistique et de la culture, mais également des notions économiques. Et je pense que c'est ça ce qui est important. C'est quelque chose qui est très important pour notre pays. Nous aussi, au niveau donc de l'association, on s'efforce, que ce soit donc avec tous les intervenants, de continuer un peu cette aventure en essayant aussi de faire des projets qui vulgarisent davantage la culture. Donc, on te recontactera prochainement pour essayer de voir comment démocratiser davantage. Et il y a un point qui est très 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 judicieux dont tu as parlé, c'est le fait d'aller au début même, c'est-à-dire aller vers l'initiation de l'enfant à l'importance de la culture, parce que c'est à partir de là que la personne pourra elle-même aller s'informer, se cultiver, etc. Exactement, parce que du coup, il y a l'impact au fait de, il y a un impact social qui est très fort sur l'aspect de la lecture au Maroc. C'est-à-dire que la lecture, quand même, l'accès à l'objet livre reste réservé aux enfants qui vont fréquenter des écoles françaises ou des écoles privées. En priorité, ou à des enfants dont les parents ont donc un certain bagage culturel, ont un certain niveau d'éducation, et puis les autres sont laissés quand même de côté. Donc je trouve que ça fonctionne aussi beaucoup sur ce schéma de classe sociale, ce qui n'est peut-être pas le cas partout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y remédier, parce que l'école peut remédier à cette difficulté-là. Très bien. Alors, si tu avais un message à transmettre donc aux alumni, mais également au grand public, qui rejoint un peu le thème et qui est donc de se renouveler par l'écriture, quel message tu aurais à transmettre? Eh bien, c'est vrai que du coup, je ne sais pas si je peux donner vraiment des conseils, parce que je pense qu'il faut aussi être en accord avec ses propres aspirations, écouter aussi ses propres désirs. Et il y aura toujours une raison qui, si vous avez envie d'écrire, si vous avez envie de vous adonner à une activité artistique, quelle qu'elle soit, il y aura toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Je rencontre souvent des gens qui me disent, par exemple, j'ai envie d'écrire, mais j'ai pas le temps, je travaille, j'ai des enfants et tout. Bien sûr que les
les contraintes du quotidien, les contraintes professionnelles, familiales, peuvent effectivement nous prendre beaucoup de temps. Néanmoins, ce temps-là qui doit être consacré à quelque chose qui nous donne un épanouissement personnel, eh bien, c'est important de pouvoir exprimer cette part qu'on a en soi et qui apporte beaucoup d'épanouissement et beaucoup de lumière. C'est important. Et c'est d'autant plus vrai dans le cas des... Parce que, du coup, je n'ai pas répondu à la question d'avant, en fait, concernant les différences entre hommes et femmes aussi dans ce milieu. C'est vrai que la difficulté est encore plus forte quand il s'agit d'une femme, une maman qui travaille, etc. Parce que, bon, on est tout de suite prise par plusieurs obligations et c'est encore plus dur. Et c'est pour ça d'ailleurs que... Voilà, on constate qu'apparemment, il y a, par exemple en France, il y a plus d'hommes qui publient des livres que de femmes. Néanmoins, les lectrices, ce sont des femmes. Voilà. Donc, on a besoin de femmes qui s'expriment et qui nous racontent le monde, leur monde et celui qui les entoure. C'est important. Et comme disait Virginia Woolf, l'écriture n'a pas de sexe. Donc, il n'y a aucune raison qui devrait nous contraindre, nous empêcher d'écrire, nous les femmes. Donc, il faut le faire, que l'on soit un homme ou une femme, quand on ressent le besoin de s'exprimer par ce biais. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est une grande fierté. Très grande fierté de pouvoir discuter avec une SCAIS qui a un parcours exceptionnel. Moi, en fait, l'image que je garde de notre conversation, c'est je t'imagine au niveau de l'internat à l'ISCAE, pendant que tout le monde était en train de travailler ses mathématiques d'un célèbre professeur que je ne nommerai pas, tu es caché en train d'écrire et de mettre sur papier tous tes rêves. Vraiment, tu es vraiment quelqu'un d'inspirant et merci pour tout ce partage. Je suis sûr que il y aura de grandes vocations qui vont ressortir suite à ces échanges-là. On est presque arrivé à la fin. On est arrivé donc à cette partie donc qu'on a appelée appendice, et c'est en fait une rubrique qui pousse les personnes qui ont assisté à ce webinaire de continuer un peu la recherche de comment se renouveler à travers l'écriture. On a l'habitude à chaque intervention donc d'avoir une rubrique pour permettre aux gens de continuer à s'informer, à se documenter. Et donc l'appendice de cette édition est le suivant. La particularité de cette fois-ci, c'est que Leïla nous a proposé des ouvrages. Donc je te donne la parole pour nous parler un peu de ces ouvrages qui te tiennent à cœur. Oui, alors c'est vrai que c'est toujours difficile pour moi de choisir parmi les ouvrages que j'ai appréciés. Tous les livres que je lis laissent une trace en moi, m'aident à un moment donné. Et il y en a, qui sont très importants. Et du coup, je vais vous parler de ces trois romans. Le premier, c'est celui de Rachid O, donc Analphabète. Alors, Rachid O, c'est quelqu'un de... Il est marocain, donc. Hein, il est né à Rabat, il me semble. C'est quelqu'un de très discret, qui ne va pas chercher du tout à aller se... Enfin, il est très timide, très réservé, mais son écriture est vraiment d'une sensibilité, c'est une écriture très poétique et très singulière. J'ai vraiment adoré ce roman, Analphabète. Je trouve que c'est un auteur marocain qui n'a pas le succès qu'il mérite. Principalement aussi parce qu'il est discret et parce qu'il ne cherche pas à participer à des salons ou à faire des dédicaces ou à s'exprimer dans les médias. Il a beaucoup de mal avec ça. J'ai eu la chance de le rencontrer
et je crois être une des rares à l'avoir rencontré. C'était vraiment un hasard. C'était à Rabat, dans le cadre du festival Étonnant Voyageur. C'est un festival littéraire qui est français, donc qui se fait à Saint-Malo. Et exceptionnellement, 2014, donc, il a eu lieu à Rabat. Et je me trouvais à Rabat à ce moment-là. Et forcément, donc, je me suis rendue au salon. Et j'avais vu une photo de lui sur Internet une fois, parce que j'ai lu tous ses livres, tous les livres de Rachid Oh, je les ai tous lus. Et je trouvais d'ailleurs dommage, parce que quand je le lisais, je ne savais pas qui il était. Et j'achetais systématiquement ce roman, parce que comme je vous le disais, j'achète toutes les publications d'auteurs marocains francophones. Et du coup... J'avais vraiment une tendresse pour lui parce que je trouvais son style très sensible. Il y avait une douceur, une tendresse vraiment dans son style. Et donc, il y avait vraiment un aspect, il y avait j'avais de l'affection en fait pour lui sans le connaître. Et je trouvais dommage que le peu d'articles qui paraissaient sur lui le réduisaient à son orientation. Purement à son orientation sexuelle. Et du coup, alors qu'il y a vraiment une part littéraire. Que je trouve remarquable dans son travail. C'est un vrai auteur, c'est un vrai écrivain littéraire. Et du coup, donc, quand je l'ai croisé au festival Étonnant Voyageur, donc je lui ai demandé, vous êtes Rachid Oh, il m'a dit oui. Et du coup, il était très surpris que je le reconnaisse parce que comme il n'est pas présent dans les médias, personne ne le voit. Et du coup, voilà, il a pu me dédicacer le livre, on a pu échanger. Et c'était vraiment un moment très, très fort. Une très belle discussion, donc un très beau souvenir. Et donc, c'est un très beau roman pour revenir au livre, parce qu'il faut le lire. Donc, les livres de Rachid Oh, si vous arrivez à les trouver, eh bien, je ne peux que vous les recommander. Je suis sûre que ça va beaucoup vous parler, et notamment donc, dans cette description de sa relation avec son père dans ce livre. Il y a vraiment des passages mais, très touchants qui décrivent cette relation avec son papa. Donc, il raconte, c'est très autobiographique. Donc il rentre au Maroc alors qu'il vit à Paris. Il raconte cette évolution de son père, donc qui va vers la mort du coup, hein, qui a vieilli. Et donc plusieurs souvenirs comme ça reviennent à sa mémoire. Et il les décrit avec beaucoup de subtilité. Il séjourne dans une pension et il raconte donc. Son lien avec la dame qui tient cette pension-là et qui est d'une humanité incroyable. Et donc voilà, donc je ne peux que vous recommander ce livre-là, qui d'ailleurs, il me semble qu'il avait reçu le prix de la Mamounia, le prix littéraire de la Mamounia qui existait encore quand le livre est sorti. Donc c'est un prix qui n'existe plus, malheureusement. Ensuite, donc le livre de Romain Gary, qui est La vie devant soi. Alors, c'est un de mes auteurs préférés. C'est un auteur que j'adore, qui m'a beaucoup aussi, qui m'a beaucoup nourri. J'ai beaucoup appris grâce à Romain Gary. Et principalement, justement, dans ma relation, dans mon lien à l'écriture, je pense souvent à Romain Gary parce que il a une particularité. Je vais faire résumer. C'est que Romain Gary, c'est le seul écrivain à avoir reçu le prix Goncourt deux fois. Parce que normalement, le prix Goncourt, on ne le reçoit qu'une fois. On ne peut pas être lauréat du prix Goncourt pour deux livres différents. Alors, Romain Gary avait reçu le prix Goncourt pour un roman qui s'appelait Les Racines du Ciel. Et c'était dans les années 50. Et ensuite. Il a eu des difficultés avec la critique littéraire qui s'est mise donc à le critiquer un peu gratuitement. Hein. Il y a eu un acharnement, c'était un auteur un peu démodé. Il essuyait les critiques. Il a eu aussi une carrière professionnelle flamboyante puisque c'était un vrai personnage, hein, très haut en couleur. Il a travaillé même en tant que consul de France. Il a eu vraiment une vie très particulière et donc c'était un vrai personnage original. Et donc, j'en reviens donc au Goncourt. Du moment qu'il était devenu un peu très critiqué dans les milieux littéraires, un peu démodé, tout ça, eh bien, il avait pris sa revanche, il avait été très malin. Il a inventé un pseudonyme, le pseudonyme de Émile Ajar.
Et du coup, il a monté voilà une histoire comme ça avec son neveu. Donc son neveu a accepté de jouer le jeu et de se faire passer pour Émile Ajar. Et du coup, ils ont créé ce personnage-là d'écrivain, d'un nouvel écrivain jeune, Émile Ajar, donc qui a sorti quatre ou cinq romans, dont donc un premier roman qui s'appelait Gros câlin, très beau roman, et puis un deuxième, donc La vie devant soi, celui que je vous recommande, et qui a eu donc le prix Goncourt. Donc, l'Académie Goncourt a donné le prix à Émile Ajar, alors qu'en réalité, c'était Romain Gary qui se cachait derrière. Et du coup, c'était une revanche pour lui. Et d'ailleurs, les mêmes critiques qui le descendaient, hein, ont commencé à écrire des critiques très élogieuses sur Émile Ajar. Et il y en a même un qui a poussé le bouchon tellement loin et qui a écrit la phrase suivante, qui est restée célèbre dans le milieu de la littérature et qui a dit oui, Romain Gary, en gros, est démodé. Émile Ajar, c'est quand même un autre talent. Donc, ouais. Et donc, j'imagine un peu Romain Gary assis dans son salon, en train de lire le journal où on dit cette phrase. Et lui, voilà, il se frotte les mains, il se dit, ben, si seulement il savait que Émile Ajar, c'est aussi moi. Donc, voilà. Donc, c'était un peu une supercherie, très, très espiègle et très maligne de la part d'un écrivain très talentueux qui était capable de se renouveler. Alors ici, il y a un problème de lumière parce que je dois vous dire Oui. que quand j'ai commencé, donc il faisait jour, il commence à faire nuit ici. Donc si vous me permettez 2 secondes d'allumer la lumière, Oui. je reviens tout de suite. Et voilà, donc je suis là, je suis de retour. Donc Romain Gary, excellent écrivain, capable de se renouveler à chaque fois avec un style différent. Et donc pour vous parler de l'histoire que raconte la vie devant soi, eh bien c'est l'histoire de Momo, qui est un enfant donc placé chez une dame qui travaille pour l'assistance publique. Donc pour lui c'est la seule mère qu'il connaît alors que c'est un enfant juste placé, donc il connaît pas ses parents. Et donc il est placé chez Madame Rosa. Qui est une dame d'un certain âge, qui a des problèmes de santé, qui est juive, et du coup, pareil, un personnage très haut en couleur, et il y a une réelle tendresse entre ces deux personnages, et donc Momo nous raconte cette relation-là, avec ses mots à lui. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris de Romain Gary, c'est que l'écrivain ne doit pas se substituer à ses personnages. Il faut les respecter, et respecter aussi leur langage. C'est une langue très très particulière. Momo a ses propres mots pour le coup. Et donc c'est un livre vraiment délicieux d'affection et très touchant. L'autre livre, c'est le livre donc de Nawal Saadawi, Ferdows, une voix en enfer. Alors Nawal Saadawi, donc c'est une grande dame. Écrivaine et essayiste égyptienne qui nous a quittés il n'y a pas cette année, hein, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 mois. Ce que je trouve, pourquoi je vous parle de ce livre-là, c'est pour la raison suivante, c'est qu'au fait, je trouve malheureux qu'on commence aujourd'hui à découvrir Nawal Saadawi. Au moment de sa mort, il y a eu plusieurs articles pour dire Nawal Saadawi est morte. Voilà, on l'a beaucoup réduite aux polémiques qu'elle pouvait susciter quand elle parlait de religion, alors qu'on ne la lisait pas en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Un écrivain, on doit d'abord le lire plutôt que de le regarder parler. Dans des émissions de télévision. Et malheureusement, je pense qu'on l'a beaucoup réduite à ça. D'ailleurs, je ne suis pas certaine qu'elle soit si connue que ça dans les sociétés arabes, parce qu'elle écrivait en langue arabe, elle est égyptienne. Elle correspond à la thématique demandée, puisqu'elle est médecin de formation.
Elle a beaucoup travaillé aussi avec le ministère de la Santé en Égypte sur des questions de sensibilisation. Elle a lutté contre l'excision qui se faisait beaucoup en Égypte, donc pour la santé des femmes hein, et des petites filles. Et donc elle a mené plusieurs combats. Elle était capable de faire plusieurs choses à la fois. Donc médecin avec des responsabilités politiques aussi, puisque elle avait été emprisonnée du temps de Sadat, il me semble. Et du coup, elle n'a jamais baissé la garde. Même quand elle a été emprisonnée, j'aimais bien comment elle racontait ça. Elle disait, oui, j'ai même pas souffert d'être en prison puisque j'ai profité des quelques mois que j'y ai passé pour écrire un livre. Donc, au moins, c'était une grande dame. Et ce livre-là, donc, moi, je l'ai découverte quand j'étais au Maroc. Peut-être comme beaucoup d'entre vous, puisqu'on parlait d'elle à la télévision, dans les radios, pour cet aspect polémique contre la religion. Nawal Sadawi a dit tel truc, et l'imam un tel lui a répondu voilà, que c'était pas comme ça dans l'islam. Donc c'était ce côté polémique qui n'avait pas lieu d'être, alors que c'est d'abord une femme qui écrivait, qui réfléchissait, qui posait sur la table des questions qui méritaient d'être débattues. Et du coup, ensuite, j'ai pu trouver ces livres, mais un peu quand je me suis installée en France, quand j'étais un peu plus grande, plus âgée, disons. Et du coup, donc j'ai découvert vraiment avec ce livre, Ferdows, une voix en enfer. C'est un livre fort sur la place des femmes dans les sociétés arabes. Elle le décrit elle décrit vraiment la situation avec beaucoup de justesse. Et c'est un livre qui se lit facilement, ça se lit bien. C'est un livre court, mais efficace. Voilà. Et là aussi, c'était sa marque de fabrique, parce que j'en ai lu aussi. Donc après, je me suis jetée sur un autre qui s'appelle Zina, le roman volé. Et c'était un peu dans la même veine, c'est-à-dire que elle se concentre sur ces aspects purement sociaux. Qui concerne donc la place des femmes dans la société, mais pas seulement. Elle arrive au fait, quand on lit un de ses romans, on arrive tout de suite à comprendre ce qui cloche, pourquoi une société connaît certaines difficultés, et ça ne concerne finalement pas seulement les femmes, puisque l'homme et la femme sont les deux inscrits dans une société qui les réunit, ce sont deux êtres humains qui fonctionnent ensemble. Et comme elle le disait, voilà, plus une société s'intéressera aux femmes, plus ça voudra dire aussi qu'elle s'intéresse aussi à ces hommes et que leur développement également est important. Et donc voilà, je pense que la meilleure manière de rendre hommage à un écrivain, c'est de le lire. Et j'espère de tout mon cœur que les livres de Nawal Sadawi trouveront un nouveau souffle et un écho chez les lecteurs et pas seulement chez des téléspectateurs devant un écran. Merci, tu nous as fait voyager dans différentes littératures. Et effectivement, tu as raison, il ne faut pas attendre qu'un écrivain meure pour qu'on puisse le lire. Il faut le découvrir bien avant. Et c'est vrai que on ne communique beaucoup que lorsque l'écrivain décède. Et je pense qu'effectivement, il faut davantage découvrir, surtout des personnes, des écrivains qui sont assez atypiques, comme Nawal Sadawi, qui est une voix unique dans le monde arabe. C'est pour ça que j'ai Alors, tenu à parler des deux qui ne sont pas suffisamment lus et valorisés à leur juste valeur. Rachid O et Nawal Sadawi, bien sûr, il y en a d'autres. Et ça aussi, ça fait partie des difficultés des auteurs, peut-être d'origine maghrébine ou arabe de façon générale, puisque du coup, il y a un déficit de lectorat qui concerne nos pays. Eh bien, il se trouve un peu cantonné à une catégorie de lecteurs, d'auteurs pas suffisamment lus. Et donc là commencent les difficultés de publication pour certains.
et diffusion des livres. Merci pour cette sélection. Alors, en plus donc de ces trois ouvrages, en fait, la particularité de cette édition, c'est qu'on vous propose d'autres trois autres ouvrages, et toujours dans ce thème du renouvellement par l'écriture, on a choisi pour vous un auteur qui est remarquable, un auteur qui n'est pas connu et qui est vraiment un poète qui est passé par plusieurs états. C'est quelqu'un qui écrit de manière épidermique. Un monsieur qui est mort en 1995, qui s'appelle Mohamed Khair al-Din. On a choisi pour vous donc trois ouvrages à peut-être revisiter ou à lire pour une première fois. Le premier, c'est Agadir. Donc, où là, pourquoi on parle de renouvellement? Parce que Mohamed Khair al-Din était tout d'abord un fonctionnaire à la CNSS qui avait été envoyé à Agadir suite au tremblement de terre en 1961, et à partir de ce choc, il a écrit un ouvrage où il remet en cause toute la société marocaine avec ses difficultés, avec sa pauvreté, avec le faible niveau d'éducation. Donc vraiment une remise en cause totale. Et donc ce monsieur est parti pour faire une enquête et il s'est retrouvé écrivain. Ensuite, il a écrit énormément d'ouvrages, dont La légende et vie d'Agounchich. Et là aussi, c'est vraiment le parcours de quelqu'un qui restait fidèle à ses principes, quelqu'un qui est catégorisé comme étant un brigand, mais qui finalement est quelqu'un qui a voulu respecter ses principes durant toute sa vie. Donc le monde change, mais lui, il reste quelqu'un d'honnête, quelqu'un de franc, quelqu'un de vrai. Et enfin, un troisième ouvrage de Mohamed Khair al-Din, Il était une fois un vieux couple heureux, où là on découvre un Mohamed Khair al-Din complètement différent de ses premiers romans, puisque là il renoue avec la simplicité, avec la nature et avec peut-être non pas un repli sur soi, mais en tout cas un rejet de la modernité violente qui fait que on perd ses principes, on perd son histoire et on devient une machine. Donc là, c'est vraiment la description d'un couple qui est heureux de par ses traditions, de par sa gastronomie et de par ses principes. Donc on vous recommande vivement de voir donc ce renouvellement par l'écriture de Mohamed Khair al-Din qui est vraiment un auteur que nous considérons comme un auteur primordial dans la littérature marocaine, mais également dans la littérature mondiale. Donc, on vous recommande de les lire. Leïla, est-ce que tu as un dernier mot, peut-être par rapport à ces ouvrages? Oui, alors, c'est des ouvrages que j'ai lus et que je ne peux que recommander également. Surtout que, voilà, Khair al-Din, c'est un grand écrivain marocain. Là encore, c'est le cas typique de ce dont je parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, même parmi la sélection que vous avez présentée, vous l'avez souligné à un moment donné, vous avez dit qu'Il était une fois un vieux couple heureux. C'était un livre qui est écrit dans un style complètement différent. C'est, à mon avis, le livre de la maturité, de la sagesse. Il l'a écrit bien après Agadir et Légende et vie d'Agounchich, et Le Déterreur aussi, qui est un texte très poétique, très fort. Il a écrit aussi des recueils de poésie, dont un que je lisais récemment qui s'appelle Ce Maroc, avec un point d'exclamation à la fin. Et donc Khair al-Din, c'est d'abord un poète, ça, d'abord une langue très, très riche, avec... voilà, des figures de style, c'est très riche sur le plan littéraire, sauf peut-être pour Il était une fois un vieux couple heureux, où c'est un livre un peu, disons-le, plus accessible, plus fluide et plus facile d'accès pour les lecteurs, ce qui explique aussi peut-être une meilleure diffusion aujourd'hui au Maroc de ce livre-là par rapport aux autres. Puisque là aussi, je souligne
ce décalage, disons, entre la littérature très un peu élitiste, je vais utiliser le mot, et la littérature plus accessible, puisque pour avoir accès à Agadir, par exemple, ou à les gens d'Anchich ou des Terreurs, il faut déjà avoir un certain vocabulaire, il faut faire la démarche aussi peut-être d'aller chercher dans le dictionnaire, ce qui n'est pas toujours aisé pour un jeune lecteur au Maroc qui a aussi des cours d'arabe, dont le niveau de français n'est pas forcément, et d'ailleurs même en France, hein, un jeune en France qui lisait des Terreurs aurait certainement besoin aussi d'un dictionnaire. Donc c'est un aspect important aussi à souligner concernant ce décalage entre cet auteur-là en particulier, marocain, donc originaire de la région d'Agadir, donc et ses lecteurs potentiels qui logiquement ont toutes les références pour comprendre le contexte dans lequel sont inscrits les histoires qu'il nous raconte. Voilà. Mais c'est un auteur essentiel. Merci Leïla. On arrive à la fin de notre webinaire. Un grand merci pour tout ce partage. Je pense que notre collaboration ne s'arrête pas ici, mais on la continuera davantage à travers des actions que nous allons mener pour véhiculer et démocratiser davantage la culture. Merci encore. Alors, peut-être un dernier mot. J'ai beaucoup parlé, c'est vrai que... D'accord. Après, je ne sais pas si vous avez des questions précises. Non, en fait, est-ce qu'on peut trouver les deux ouvrages dans les librairies au Maroc, à Casablanca? Oui, alors ils sont disponibles dans les librairies au Maroc. Et quand on ne les trouve pas tout de suite, en tout cas, ils sont diffusés hein, au Maroc. Donc, si vous le demandez, dans les librairies Araba, Casa, ça, j'en suis certaine. À Tanger aussi, je sais qu'il est disponible. À partir de là, voilà. Après, là aussi, on évoque des aspects aussi sérieux et les freins à la lecture Maroc. Donc l'ouvrage est disponible, donc, puisque mon éditeur est un éditeur français, donc c'est Albin Michel. Le livre a un certain coût, puisqu'il n'est pas édité au Maroc, mais il est disponible. Voilà. Donc j'aimerais bien aussi que peut-être qu'un jour il soit disponible à un prix plus accessible pour des personnes qui auraient un budget beaucoup plus modeste ou pour des jeunes qui n'ont pas les moyens forcément de s'acheter un livre à 210 dirhams, ce que je comprends parfaitement puisque j'étais aussi étudiante comme eux et je trouve ça dommage. D'accord, merci. On vous donne rendez-vous pour deux prochains événements. Le prochain, c'est le 24 avec un sujet qui concerne plus la finance et la digitalisation de la finance. Et le prochain événement qui porte sur le cinéma, avec une deuxième partie avec Ali Safi, sur l'histoire du cinéma au Maroc après Mohamed Ousfour. Donc Ali Safi nous donnera les principales étapes et nous parlera de ces chefs-d'œuvre marocains qui sont aussi amenés à être découverts. Merci pour votre présence. Merci Leïla. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et merci pour cette invitation.